on s'est lancé dans ce projet pour respecter le parcours artistique des élèves. Ce qui est très intéressant, c'est le processus de créativité dans l'écriture des chansons, la recherche des rimes, des thèmes, des textes. Tout ça, c'est un travail assez nouveau pour les élèves. Le projet, ça permet aux élèves de s'exprimer de manière artistique. Ils ont l'habitude d'écouter de la musique et ça leur permet de passer de l'autre côté, donc de créer leur musique. Ça leur donne aussi l'occasion de travailler en équipe, en groupe et d'échanger leurs idées. En fait. La raison pour laquelle on a choisi ce sujet, c'est qu'on est éco-école et que c'était une façon pour les enfants de montrer leur engagement, de réfléchir aussi à leur engagement et puis de faire passer un message. J'ai répondu présent à la fabrique à musique par curiosité d'abord, parce que ça m'intéressait de voir ce que c'était de composer des chansons avec des enfants. Et je dois dire que le travail m'a beaucoup plu et que j'ai été surpris par la production qu'ils ont eue, les idées qu'ils ont amenées. Quels sont les thèmes de vos chansons ? L'espace, la nature, les jeux vidéo. Quel thème avez-vous choisi ? Nous avons travaillé l'eau avec la chanson Goutte d'eau, la nature avec les arbres et le goûter avec 02C. Quel thème avez-vous préféré ? Notre thème préféré est la goutte d'eau, car la chanson est belle et ça nous rend heureux.